Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir dans cette vidéo de Forge Magie de vous proposer du contenu très très lourd. Bon visionnage. Alors, pour ce qui va suivre, j'ai un ami qui m'a contacté qui s'appelle Dwoopion et qui a un personnage qui s'appelle Xavier Xaza qui fait des Forge Mages des FM sur bouclier avec des jets qui, voilà, il cherche vraiment la perfection comme moi. Bonjour à toi, il est en vocal avec nous. Bonjour à tous, merci à toi Grifox. Alors je vais en profiter pour lui faire un petit coup de pub, hein, parce que voilà, un peu de pub ça fait toujours du bien, surtout quand on vend des items aussi beaux que les siens. Alors je vous montre quelques-unes de ses réalisations. Alors il a passé un bouclier d'Ilisael, très similaire à celui que j'ai fait récemment, sauf que lui il a deux vitalités en plus, donc je suis un petit peu jaloux. Mais bon, voilà, un 4 feuilles là, perf 1% terre. Un Stalak avec un GPA magnifique, je crois que ton Stalak PA il était passé sur Orb, non? C'était en spam orbe que tu avais eu ce jet et tu l'avais laissé parce qu'il était magnifique. J'avais pas l'intention de le briser, vu le jet. Ouais, bah ouais, bon, gros coup de chance là-dessus. Encore un magnifique 4 feuilles 1% haut, un 4 feuilles perf 2% terre, donc ça vaut... Tu les vends 60 millions hein, les 2% il me semble. C'est bien ça? J'ai déjà eu un qui est parti aussi. Ouais, bah je crois que c'est moi qui te l'ai acheté mais... ouais, donc magnifique 4 feuilles, 4 feuilles PA, ton PA à 23 puissance, moi je suis pas fan par contre, hein. Mais bon. Vu que c'est un PA sur un 4 feuilles, bon le jet au niveau de la puissance il est pas trop là. Ouais, ouais. Mais c'est du 14 dommage distant, je me suis dit voilà quoi. Puis t'as, ouais, t'as les 12 fuites et les 6% crit, bon, il y aura bien quelqu'un qui l'achètera, c'est sûr. Et encore un... Je tente le brisage, ça me dérange pas. Encore un magnifique 4 feuilles 2% haut. Et encore un PA ici. Oh oui, ça l'a fait, on a vraiment fait une tonne. Hein. Et encore un 4 feuilles, 1% air. Bon voilà, c'était juste pour situer un petit peu le contexte. Et là, eh bien, il m'a proposé de briser un PA sur un bouclier d'Ilisael qui vient de passer voilà, à l'instant. Alors j'ai déjà sorti une vidéo brisage PA sur bouclier Ilisael récemment, mais bon, comme on a un autre brisage à faire, là, ça fait toujours plaisir de tenter quelque chose. Et là, vraiment, sur le jet que tu as à la base, il y a moyen d'avoir un truc incroyable. Donc on va partir sur encore du pourcent R en exo, et donc là bien sûr on va viser les 2% quoi, on va viser les 2%. Bon alors c'est moi qui ai fait, mais bah, on fait ensemble les choix pour savoir ce qu'on fait. Bah déjà là je pense que ça sera de résistance au ouais. Esquive. Voilà. Résistance, enfin esquive PM, ouais. Allez, on est parti, si le PA tombe rapidement on a un truc de malade hein, concrètement. Ok, bon on récupère déjà 8 là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, dommage mêlé là ou plutôt résistance? Écoute la résie. Hein. Résie, ouais. Allez hop, on est parti. Oh, le crit qui fait plaise. je serais d'avis à mettre l'esquive PM, sachant que j'ai 8 depuis, je peux essayer de choper. Enfin, si ça passe en succès neutre, ça passera. Voilà, parfait. Voilà. Je prédis l'avenir, parfait. il me reste donc 1 depuis. Je pense qu'on va partir sur le dommage, dommage mêlé. Oh, c'est pas trop mal ça, l'air de rien. On récupère, si je sais encore compter, 3 de puits là-dessus, ce qui nous fait 4. Et là, bah, y a les raises à monter. Si la vita, elle bouge pas et qu'on arrive à avoir 148 vita sur le jet final, on sera pas mal du tout. Hein. Là, je récupère 1 de puits, encore 1. Ah, ce serait bien que ça remonte, ça. Oh la vache. Moins 6, voilà, non, on retombe à 0 de puits. Ok, le crit qui fait plaise. À nouveau, oh, ça c'est pas mal, dis donc. Ah oh, bah là, on est revenu au jet initial, non? C'est ce que je... Waouh, pas mal. T'imagines si on arrive à mettre 10-10 sans faire tomber le PA? Non, franchement, je parle pas là, je suis... Ce serait oufissime. Je suis aux aguets, là. Allez, on y croit. Ok, je récupère encore un, là j'ai 2 depuis. N'hésite pas à compter le pied en même temps que moi pour éventuellement voir si je me trompe. Mais a priori, là, on est bon. Là, donc, moins 1, on a 1 de puits. Et on a 0 de puits. Décidément, il a pas l'air de vouloir trop bouger, ce jet, hein. Oh! Oh! Oh là là. Oh là là, Guy Fox. Oh, mec, on a un truc... On a un truc monstrueux, là. Oh, punaise. Vas-y. Je vais monter l'esquive à 9, ensuite la raise à 9, ensuite l'esquive à 10, et ensuite la raise à 10. Ça te va? Alors, oh le crit. Ok, moins 7. Moins 6. Oh le G qu'on va faire. Moi je crois au 4%. Oh, oh mec.
C'est un délire. 74. Et... Mec, on a 68 depuis. On en a plus que ça passe. On a 68 depuis, mec. Est-ce qu'on recompterait pas le puits par hasard? Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas eu de couilles. Pourquoi j'arrive pas à... Si tu me dis ça, il n'y a aucun souci, on retente. Il y a... Recoupe, attends, j'arrive pas à... J'arrive pas à changer les raises. Ah, ça c'est un petit bug, ça m'arrive aussi. Tu veux relancer? C'est la première fois que ça m'arrive. Ça. C'est avec client que ça fait ça? Je sais pas du tout, mais je sais que moi aussi ça m'arrive. Des fois, ça veut pas... En gros, si maintenant, imaginons que t'as l'esquive PM, oh, ça passe pas. Ça te dit comme quoi, échec ou un truc comme non, ça. Passe pas. Non, c'est vraiment le glisser-déposer de la rune, c'est bon, j'ai réussi. Le glisser-déposer de la rune ne marche pas. Ah, mais je suis con, mec, je prends les miennes, en fait. Pardon, je me suis fait un trip tout seul. Ok. Bon, alors, je vais recompter ça, bon, il y a 5 lignes. Alors, le PA qui tombe sur la raise, on a 94, on va refaire, j'étais à 68. Hein. 94, l'esquive qui a enlevé 7, la raise moins 6, l'esquive moins 7, et la raise moins 6, et on est à 68, je confirme. Bon, allez, on est parti, on se tenta. On se tenta, mec, t'imagines? 3 ou 4%. Attends. Je vais y mettre quand même signature. Ah, je peux les mettre une par une, tiens. Allez, on y croit, on est parti. Vas-y. Ok. Ah! On va y aller tranquillement comme ça. Allez, quoi? Finaise. J'y crois. Allez! 1. Bon, c'est déjà ça. Allez, je fais fusionner tout pour les 7 dernières, et s'il y a un deuxième qui passe... C'est un délire. On y croit. Allez, une petite ligne verte là. Oh non. Oh, ok. Au moins t'as deux. Oh la vache. Bon, je te le prends, hein. Je le réserve. Ceci, je comptais bien te le reprendre. Oh, le truc monstrueux. Oh, c'est incroyable le jet qu'on a là. Moi, je pense que c'est le plus beau qui a été réalisé à ce jour, à mon avis. Hein. Je doute qu'il y en ait d'autres... Bon, je sais pas. Mais genre, sur Jol et tout, j'en ai pas vu spécialement des 2%. Tu sais que quand tu m'as MP pour me passer la commande, justement, de ce bouclier, ouais. J'ai checké un peu sur Jol aussi, et j'en ai pas vu. Bah, il est vraiment hardcore à FM, en vrai. Les esquives PM et les raids, là... Je pense que tu t'en es rendu compte, et moi aussi... Ah bah oui, j'ai... De toute façon, sans brisage PA, c'est impossible. Plus. Et je me suis dit, putain, en fait, le 2%, il est vraiment hard. Ouais. Bon, et bah écoute, un grand merci de m'avoir MP pour qu'on le fasse en vidéo, c'est très sympa. Y a pas de soucis. Et puis c'est quand même sympa d'avoir des souvenirs de ça, hein. Tu pourras le regarder après et tout. Moi, quand je passe un FM comme ça, je le regarde en boucle pendant 2 jours après. Bah là, si tu veux, on peut passer le PO là, quoi. Bah écoute, on a qu'une vie, hein. Tu veux ? On a pas 10 000 boucliers comme ça. Bon, allez. Bon, on arrête là du coup. On va voir en privé pour le prix et pour comment je te le rachète, mais... Voilà, en tout cas, super réalisation, là, vraiment incroyable. Enfin, les 11 tentatives de résistance, c'est vraiment fou, quoi. Ce sera beau. C'est finalement moi qui suis reparti avec le bouclier. On s'est mis d'accord pour un prix de 50 millions, que je trouve tout à fait justifié, hein, par rapport à la beauté de la chose. Là, on a un jet qui est incroyable. Et il a été vraiment sympathique, puisqu'il a accepté de me donner le bouclier tout de suite, et que je le paye en différé, voilà, que je lui donnerai les 50 millions quand je les aurai, mais pour l'instant je n'ai pas la somme en cash, et il a accepté de me faire confiance et de me le donner maintenant, donc un grand merci à lui. Ça devient rare la confiance sur ce jeu, mais ça fait toujours plaisir. Alors cet item il va clairement aller directement dans mes stuffs PVP, avec un G comme ça je pense que je suis pas prêt de m'en séparer, hein, clairement. Cela dit, si vous avez déjà vu ou si vous possédez un meilleur G, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça pourrait être intéressant de voir si certains ont réussi à faire mieux que ça. C'est tout à fait possible, hein, mais voilà, j'en ai pas vu beaucoup circuler. Moi, je vais vous laisser ici, là, ça a été vraiment beaucoup d'émotions ce FM. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien, j'ai vraiment eu peur quand j'ai vu que le PA tombait pas, mais on a réussi à ne pas casser trop le G. Et voilà, les 11 tentatives de résistance sur un bouclier sans puits, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Hein. Voilà, bon, si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.